Hey, j'ai une proposition pour vous. Vous voulez faire l'affaire de votre vie? Peut-être. Je vous écoute. Certains se sont aventurés dans la mine là-bas. Et on les a jamais revus. J'y suis déjà allé. J'ai tué un rancor là-bas. Mais j'ai pas trouvé de prospecteur. Donc on résume. Pas de rancor, pas de survivants, pas de compétition. Cette mine de priorité est à moi. Vous n'en aviez rien à faire de ces prospecteurs, alors. Vous vouliez juste la priorité. Je vais être honnête avec vous. Oui. Et maintenant, la mine est à moi. Faites gaffe quand même. Qui sait s'il n'y a pas un autre rancor là-dedans? Vous vous moquez de moi, c'est ça? Hein? Notre victoire est inéluctable. Vous bougez vite. Vous venez pour combattre. J'ouvre le feu. Roquette déployée. Action imminente. Viens ici et t'attends. Je comprends. Ces trucs sont bizarres. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a dedans, moi aussi. Mais on n'a pas le temps ni le matériel pour ça. Alors non. Et ça sert à rien d'insister. T'en fais pas. Je te ferai rien. Quelque chose d'intéressant? Voyons voir. Encore de la priorité.
J'ai besoin d'un steam. T'as trouvé quelque chose ? Hey BD, j'ai besoin d'aide. Un scan ? D'accord, d'accord, je regarde. Pas mal comme ça, que je l'enregistre. Mais il manque quelque chose. Et voilà. On y est presque. Ça va faire du bien de revoir Grise. Ça faisait un bail. Peut-être qui sait où se trouvent les autres maintenant. Serré et bloqué dans le passé. Et Meryn en errance. C'est de l'histoire ancienne. C'est qui l'étranger ? Il a pas l'air d'un pillard, selon moi. Vite ! Prends l'air innocent ! Du calme. On ne veut pas créer d'ennui. Où est la cantina ? C'est par là, le nouveau. Ah, vous pouvez pas la rater. Hein ? Quoi ? Tu pensais pouvoir nous arnaquer. Non, c'était juste un petit malentendu, hein. Hé ! Lâchez-le. Ça. C'est hors de question. Cette chose nous a vendu une relique hors de prix. La clé qu'on cherche depuis longtemps. Sauf que, bien sûr, c'est une fausse.
Je croyais que c'était la vraie, Aramis. Promis. Oh. Je te crois. Mais je ne peux pas tolérer des erreurs pareilles. Prenez ça comme un avertissement. Voilà ce qui arrive quand on contrarie les pillards du chaos. Tuez-le. Ah non! Ça suffit. Partez. Un Jedi. Rappelle à notre ami pourquoi son espèce est censée avoir disparu. Je t'ai vu venir. T'as eu de la chance, vermine. Décollage. Tu ne mourras pas. Je suis trop rapide. T'es obligé de perdre. Impressionnant. La prochaine fois que tu veux te battre, viens nous trouver. Quel plaisir de voir un Jedi en pleine action après toutes ces années. Noble chevalier Jedi, si tu retiens ta main, je me retirerai en paix. Ça suffit, Turgle. Turgle, viens par ici. Eh oui. C'est vous, Doma? Oui, c'est moi. Tu as un nom, Jedi? Moi, c'est Cal. Et voici BD1. J'apprécierais si vous pouviez garder ça secret. Ici, à la frontière, le seul moyen de survivre, c'est de se serrer les coudes. Bien dit. Rien ne t'obligeait à intervenir, et pourtant tu l'as fait. Oui, tu l'as fait. Turgle, tais-toi. Oui. On ne révélera pas ton secret. Cal. Ça nous est bénéfique à tous les deux. Merci. N'oublie pas de repasser à la boutique plus tard. Promis. Oh, Cal, je ne te remercierai jamais assez. Tu m'as sauvé la vie. Je t'en prie. Et ces techniques de combat, incroyable. Où est-ce que t'as appris ça? Je croyais qu'on avait dit qu'on n'en parlerait pas. Ah, oui, c'est vrai, pardon. Mais tu pourrais pas m'apprendre quelques tours un de ces jours? Je voudrais pas que tu te fasses mal. Oh, mais dommage, dis que c'est ce que je fais le mieux. C'est un blaster qui te fait courir, t'as intérêt à déguerpir. Viens au pylon boire un coup et repasse vite nous faire coucou.
client potentiel. Qu'est-ce que je te sais ? Moi, rien. Merci. Oh, c'est bien dommage. Je cherche un vieil ami. Quatre bras, poilu, pas discret. Et relativement petit. Tu peux sortir maintenant, la voie est libre. Moi je te le dis, Monk, ces pillards du chaos vont foutre en l'air ce patelin. On n'a aucun espoir, que dalle, zéro, nada. Ça roule, BD. Attends. Oh, Cal. Cal Kestis, ramène-toi, nom d'un petit bogling. Oh, ça faisait longtemps. Tu m'as manqué, gamin. Salut. Laisse-moi te regarder. Oh, t'as une sale tronche. Content de te revoir aussi, Grise. Tu prends bien soin de lui, j'espère. Tu entretiens bien le Mantis. Disons qu'on a eu des ennuis lors de la dernière mission. Quel genre d'ennuis ? Le genre impérial. Non, j'aurais dû m'en douter. Il traîne aussi autour de Kobo ces temps-ci. Le Giro du Mantis est calciné. On aura besoin de ton aide pour repartir. Mais bien sûr, tout ce que tu veux. Je t'en prie, prends-toi un tabouret. Et Monk, sers à mon ami une boisson dont t'as le secret. Un rafraîchissement. Je t'apporte un Monk sournois, tout de suite. Sois le bienvenu au Pailoon Saloon, la meilleure cantina de ce côté de Zeltros. Ouais, ta description ne lui rendait pas justice. Et voilà, à la tienne. Avec Monk, on l'a repris à l'ancien proprio. Parce que, il est mort empoisonné par Blaster à coup des pillards du chaos, si tu vois ce que je veux dire. J'ai eu affaire à eux. T'es sûr que ça va, Grise ? Ah ouais, ça va. Tant que j'ai pas un truc qui leur fait envie. Hé, qu'est-ce qui t'est arrivé au Mantis ? Oh, on était sur Coruscant. On récupérait des infos pour So Guerrera. Ça a dérapé. On n'est que deux à avoir survécu. J'ai l'impression de servir à rien. L'Empire devient de plus en plus fort. Depuis que l'équipe s'est séparée, c'est plus pareil. Ouais, c'est vrai qu'on a passé de bons moments, hein. Toi, moi, la sorcière, Serré. T'as eu de ses nouvelles récemment ? Merine a tout le temps la bougeotte. Elle explore la galaxie et se fait de nouveaux amis. Je parlais de Serré. Non. Ça fait un bail. Et toi ? Grâce à ses crédits, on a relancé les affaires ici, mais on attend encore sa visite. Elle doit être occupée avec son nouveau projet. Hé, Cal. Pourquoi tu te reposerais pas un peu avant qu'on répare le Mantis ? La galaxie peut bien attendre quelques heures. On devra sans doute reprendre la route dès qu'on aura terminé. J'ai une chambre de libre au sous-sol que j'ai bichonnée spécialement pour toi. Tu devrais aller y jeter un œil. D'accord. Merci, Grise. Hey. Tu travailles ici depuis longtemps ? Un certain temps, mais c'est pas ce que j'appelle du travail. Pour ça, il faudrait qu'on ait des clients réguliers. Dommage. Cet endroit a du potentiel. C'est ce que j'arrête pas de me dire, l'ami. Mais bon. T'as pas l'air d'un pillard ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Pas de blaster sous mon nez, pas de bouteille renversée, ni de cri de guerre. Oh, et un droïde mignon. Voici BD1. Moi, c'est Cal. Il était temps qu'on ait de nouveaux visages en ville. Au fait, moi, c'est Zig. Ravi de te rencontrer. On parlera une autre fois. Bon, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense ? Il y a un problème ? Je jurerais t'avoir entendu t'occuper d'un problème de pillard, juste là, dehors. J'ai pas provoqué cette bagarre. Visiblement, c'est toi qui l'as fini. J'adorerais taper la discute, mais je voudrais finir mon verre avant le prochain combat. Impossible que ce truc soit aux normes. Même ici, dans la bordure extérieure. Ça, c'est la cuisine. La cave doit être par là.
Waouh. Grise s'est vraiment surpassée. Kobo est loin de la route commerciale la plus proche. Grise en profite pour faire de la récupération. Grise a toujours eu la main verte. Tu sais qui parle aux plantes? C'est le Alix 7 de Serré. Je me demande comment il a fini ici. Ma vieille tenue de ferrailleur. Pourquoi Grise a gardé ça? Ouais, c'est flippant. Tu causes toujours en dormant, hein? Il y a des choses qui changeront jamais. Cinglé. Boule de poil. Oh. C'est sympa de m'accueillir. Pas de quoi. Pourquoi tu crois que j'ai gardé tes affaires pendant tout ce temps? Parce que j'espérais que tu passerais pour te reposer un peu. On sait bien ce qui se passe quand je reste trop longtemps quelque part. Alors comme ça, je peux trouver un gyro par ici? On a largement le temps pour réparer le Mantis. J'aimerais qu'on parle un peu de toi. Je vais bien. Plus vite on part, mieux ça vaut. Et ensuite, tu vas aller avec Sogerera t'attirer des ennuis? Possible. Ouais, je compte bien continuer à me battre. C'est marrant, t'as dit exactement la même chose le jour où on est partis chacun de son côté. Oui, parce que je... Écoute... Je sais que vous aviez tous vos raisons de partir. Mais baisser les bras, c'est pas une option pour moi. Il faut que je m'accroche. Et où est-ce que ça t'a mené, Cal? J'aimerais que les choses soient différentes, mais... Tu perds encore des compagnons, et puis t'as dit toi-même que l'Empire gagnait en puissance jour après jour. Il est peut-être temps pour toi d'être un peu plus qu'un simple sabre laser. Sois plus égoïste, pose-toi, trouve un foyer. Mais... Quel foyer, Grise? J'en ai plus de foyer. Mon foyer, c'était l'Ordre, mon maître et tous ceux qui ont disparu. À quoi servira leur sacrifice si je me contente d'abandonner et de fermer les yeux? Je sais que la chance t'a pas souri, mais vraiment, tu devrais m'écouter. La vie n'a pas non plus été tendre avec moi. Quand la partie est truquée, il faut savoir quand se coucher. Sinon, tu vas finir par perdre quelque chose que tu pourras jamais remplacer. Très bien. Bien, je vais te montrer un truc. C'est un tunnel de contrebande. Il était déjà là quand j'ai eu la cantina. Vas-y, jette un coup d'œil. Je garde des pièces de rechange là-dedans. Je suis sûr que tu trouveras tout ce qu'il faut pour réparer le Mantis. Merci. J'apprécie le geste. Cal, il faut que je te dise une chose. Ça me fait vraiment plaisir de te revoir. Moi aussi. Et Grise, je tâcherai d'y réfléchir. Et, regarde où tu mets les pieds quand tu descends. Il doit y avoir des parasites en bas, fais attention.